faut avoir espoir. Alors pourquoi faut avoir espoir ? Parce que on est peut-être dans un cycle que nos générations ne pensaient pas voir, c'est-à-dire la guerre. Ça ne veut pas dire en guerre contre tout le monde ou en guerre contre des pauvres gens qui croient dans des religions mais qui foutent la paix à tout le monde. C'est exactement comme les crétins qui disent Charlie Hebdo était islamophobe. Non, Charlie Hebdo fait des dessins, des caricatures comme dans toute religion et dans 70% des cas, c'est surtout la religion catholique dont on se moquait. C'est la culture qui permet de combattre la terreur. C'est pas la clé de la solution, simplement le conflit israélo-palestinien, parce que si c'était la clé, ça fait longtemps qu'on l'aurait eu. Tout le monde, tous ceux qui nous regardent, tout le monde est acteur de ce processus et que ça se fera qu'avec le point de rencontre de toutes les religions, de toutes les croyances, c'est la laïcité. Peut-être qu'avec ce film, vous allez toucher une ou deux personnes, bah c'est toujours une ou deux de récupérer dans le camp de l'humanité et pas dans le camp de la violence.